On va essayer de changer la batterie. Alors, hop, on va tirer le cache ici. On va essayer de démonter ça. Donc à tous les coups, ça il faut le retirer. Donc j'appuierai bien ici. Voilà, ça se déclipse facilement. Et alors, est-ce qu'ici on le déclipse ou alors on le laisse comme ça sur le côté? Bonne question. Alors apparemment, ça a l'air de devoir. Voilà. Comme ça, on peut travailler. Hop. Ensuite, eh ben, il y a un cache protecteur. On voit qu'il y a des choses ici pour le retirer. Voilà, il suffit de retirer tout simplement. Donc, on va poser dans l'ordre. Ok. Alors. Bon, paraîtrait-il. Ouais, ouais, ok. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, il faut une clé de 9. Et donc, ici. Hop, voilà. Est-ce qu'il faut pas aller chercher ça aussi?
Alors, là, va venir la photo. En fait, il est ici, c'est sur celui-ci que je me trompe pas. Ok. Et donc, il faut d'abord que je remette le cache quand même. Il y a ce cache là en premier, il me semble. Voilà. Donc, de chaque côté, un petit embout pour le pet. Ok, parfait. Celui-là, il va comme ça. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça avant ? Ouais. Un peu de tapis. Voilà. Hop. Ça c'est bien mis, j'ai l'impression. Ouais. Un peu trop facilement. Non, c'est pas très grave, j'ai l'impression. Je crois que c'est pas mal. Il y avait ça. Alors ça, c'est le capot après. Donc on va pouvoir brancher, je crois. On va pouvoir faire ça ici. Ok, et mettre ça là. Ouh, oui, donc ça c'est bon. Alors par contre, il faut faire gaffe quand même, parce qu'il y a l'air quand même d'avoir du jus. On peut pas y aller avec celui-là. On va remettre le cache. Alors je pense que c'est celui qu'il faut mettre en premier. Ok, il n'y a plus que ça à mettre après. Et voilà. Et tout est bien remis. C'est parfait ça.